quand même, Benjamin, c'est qu'il est, il est romantique, ce qui n'est pas donné à tous les hommes. Et regardez après la rencontre. C'est un message que vous voulez donner à quelqu'un? Non, mais regardez après la rencontre. Il a embrassé sa chérie, Rachel Trapani, qui était Miss France 2007. Et il est venu lui faire un bisou dans les tribunes. Il a pris le temps de l'étreindre. Et c'est une belle qualité qu'on lui reconnaît. Rien ne vous échappe. Écoutez, Charlotte, on a les yeux partout. Eh bien, justement, après ce bisou, on est allé l'interroger, Rachel Trapani. Regardez sa réaction après la victoire de l'équipe de France et ce but de son chéri, Benjamin. Mais qu'est-ce qui vous a fait là au niveau de l'émotion? C'est quoi ce but de Benjamin? Ben, ça a été inespéré, je veux dire, c'est sorti de nulle part. On a tous hurlé de joie et ça a relancé le match et on est fiers tout simplement. Mais en tout cas, moi j'ai halluciné complet quoi. Et beaucoup d'émotions pendant ce match, c'est vrai. Même vous, il vous a surpris? Après, je sais de quoi il est capable, donc je suis surprise, mais d'un côté, avec tout le travail qu'il fait, je comprends qu'il réussisse aujourd'hui. C'était le plus haut match que vous avez vu de football? Forcément, en plus là, je suis un peu impliquée, donc forcément, j'ai eu beaucoup d'émotions, mais ça a été un magnifique match et je suis bien contente que les Français ont montré de quoi ils étaient capables. On était magnifiques! On a été beaucoup critiqués. On a tout fumé! Voilà. Allez les Bleus! C'était la meilleure façon de répondre. C'est comme ça qu'on vous aime. C'est comme ça qu'on vous aime les Bleus. Vous avez tout tué. Merci. Merci. Merci la France. Merci à tous. Bye bye. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.